Bonjour, alors je m'appelle Luc Bussière, je suis marié à Manuela, on a 4 enfants adultes, 7 petits-enfants. Nous sommes dans le réseau Héritage, couple pastoral de l'église Josué, et très investi dans le champ de l'éducation scolaire chrétienne. Alors, je représente un réseau d'écoles chrétiennes, réseau au niveau francophone qui s'appelle l'Association des établissements scolaires protestants évangéliques en francophonie, et puis un réseau, la branche française, le réseau Mathurin Cordier, qui représente à peu près une trentaine d'établissements et puis des associations, formations ou autres, qui œuvrent dans le champ de l'éducation scolaire chrétienne. Alors, la mission du réseau, c'est de promouvoir la vision et l'implantation d'écoles chrétiennes protestantes évangéliques. Et depuis 1986, il y a eu un départ d'écoles chrétiennes. Avec mon épouse, on était impliqués dans la fondation de l'établissement Daniel. Et ça fait des petits, d'autres écoles. Et ces écoles, ça a demandé une coordination. Donc quelques années après, on s'est mis en réseau. Ça s'enracine dans une histoire, l'histoire de France, l'histoire de la réforme en particulier, qui a toujours eu comme vocation l'implantation d'écoles, la formation intellectuelle en même temps que la formation de la foi. Et ensuite, les écoles j'ai pris mon bâton de pèlerin un peu dans les églises, etc., de la région, de France, de francophonie, et des écoles sont nées, et les amitiés sont nées, un travail commun est né, et ça a été l'origine du réseau, qui est né officiellement en 2004 pour la francophonie et en 2014 pour le réseau Mathurin Cordier France. Donc voilà un peu les origines, une compréhension biblique et puis une compréhension de nos racines historiques qui a donné cette croissance par le développement d'écoles et l'accompagnement de ces ministères, tout nouveau ministère. L'incarnation de cette vision, eh bien, ça se fait par les écoles et par les milliers d'enfants qui bénéficient de cette éducation. Et qui dit école, dit contact avec les familles d'une région, pas seulement les familles chrétiennes, dit contact avec la ville, dit contact avec les autorités académiques, etc., les associations. Donc immédiatement, dans le tissu social, il y a une incarnation du royaume de Dieu, de la présence chrétienne et de sa vision. Et nous, en tant que réseau, qui avons la vision de proclamer et d'incarner le royaume de Dieu, eh bien, je dirais qu'il y a aussi une condition, c'est de former une génération qui pense le royaume de Dieu, une génération qui voit autrement le monde, qui définit autrement qui est l'homme, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'économie, qu'est-ce que l'histoire. Donc, toute cette vision biblique est nécessaire pour une génération afin qu'elle comprenne quel est son héritage et quelle est sa vocation sur cette terre. Donc c'est pour ça que cette incarnation du royaume de Dieu a besoin de passer par une formation différente, une éducation différente, sur des fondements différents. Donc l'idée, c'est de reposer les fondations d'une éducation chrétienne qui a été l'histoire dans notre pays depuis l'origine. Donc on a un travail, si vous voulez, de réconciliation de la formation intellectuelle avec la formation spirituelle et la foi, afin de lever tout simplement des disciples. Comment avoir, si vous voulez, une génération qui pense, qui aime Dieu de toute sa pensée, si elle n'apprend pas à penser Dieu avec cet éclairage tellement différent. Le défi aujourd'hui, numéro un, je dirais, reste l'interpellation du corps de Christ par rapport à l'importance de la formation et de l'école. Et puis je dirais, le défi, c'est aussi le défi de la formation du personnel. Le défi majeur aussi, c'est, je dirais, carrément, là on y va carrément les amis, hein, on est là pour ça, pour le défi d'une université chrétienne pour les nations et de lever une génération, si vous voulez, de Daniel, c'est-à-dire former dans les Écritures, dans cette parole, dans cette compréhension biblique, dans le caractère. Tout ça, ça demande du temps, mais le but, c'est pas qu'ils restent dans la synagogue ou à l'intérieur de la communauté, mais le but, c'est qu'ils aillent dans ces gouvernements et soient des occasions de transformation au cœur même des systèmes de Babylone. Mais pour ça, ça demande la formation de Daniel, et ça prend du temps. Donc voilà, on manque pas de défis, vous voyez, mais c'est pas seulement un rêve que nous avons, mais c'est un rêve de Dieu, et donc on est assuré qu'il est au contrôle et qu'il va multiplier ses écoles. Non pas, là on parle d'une trentaine, quarantaine en France, mais la vision, c'est des milliers d'écoles. C'est vraiment ce qui nous anime, ce que nous avons vu dans l'esprit, et c'est pourquoi nous travaillons et nous œuvrons.
Et dans RNC, j'aimerais dire qu'il y a cette école et les premiers ministères pionniers au niveau de l'éducation chrétienne en France, la plupart ont été de ces gens du réseau Nouvelle Connexion et que vous connaissez tous au milieu de nous avec cette vision depuis bien enracinée, qui a bien mûri maintenant. Donc voilà ce qui nous anime.